cancer. Alors, je vous souhaite une très bonne année. Je le dis comme toutes les vidéos, pour tous les signes, allez voir la vidéo d'introduction où je vous dis un petit peu plus ce qu'il en est pour ce tirage, cet horoscope du mois de janvier. On va directement aux éléments d'information qui vous sont le plus utiles. Allez hop, pour vous cancer. Quel message avez-vous besoin d'entendre en ce moment? Je vous rappelle que votre intuition compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Alors avec eau chaude ici, la tendance, l'aventure, regardez comme c'est mignon, ce petit enfant avec ses couleurs magnifiques. L'aventure s'invite à vous. Soyez comme l'enfant innocent qui marche pour la première fois dans un nouveau chemin. Cette année débute avec cette invitation. Osez cette aventure, soyez curieux, soyez ouvert, confiant. N'ayez crainte de rien, rien de grave ne va se passer dans cette curiosité, dans le pas que vous faites vers cette aventure. L'incertitude est toujours présente dans nos vies, évidemment, et c'est ce que l'on craint. N'ayez pas peur de cette incertitude, regardez ce qui va se présenter avec curiosité, avec ouverture et avec toute la lumière qui rayonne de vous. Ayez confiance dans votre force intérieure. Dans quel champ ça se présente? Alors, ici, c'est le 5 de deniers nous invite au dépouillement. Ça peut souvent dire la peur du manque, le manque. Moi, je sens ici, c'est sachez, dans ce pas que vous faites, ne pas craindre le manque, sachez vous dépouiller de tout ce qui peut vous alourdir. C'est très fort, on a vraiment deux cartes comme ça qui contrebalance, hein. D'une part l'élan très fort qui s'invite à vous à oser et cette grande crainte de manquer. Alors est-ce que je dois aller vers quelque chose parce que là où je suis ne me comble pas, ne me nourrit pas, ne me satisfait pas? Ça peut être ça, mais en même temps c'est je suis tellement habituée à cette énergie de manque que j'ai peur de l'accentuer, je crains de l'accentuer si j'y vais, si je m'aventure dans quelque chose qui m'attire, hein, dans cette curiosité que j'ai d'aller dans un terrain que je ne connais pas, parce que je perds mes habitudes, je perds peut-être mes relations, je vais rencontrer une autre façon de faire, je vais me positionner autrement, je sais pas, ça pourrait être un changement de job, ça pourrait être un changement de lieu de vie, un changement de relation. Évidemment, moi, je lis cette carte ici davantage comme apprenez à vous dépouiller, à vous délester. N'ayez pas peur de n'avoir, c'est pas rien, mais de repartir à zéro. Parce qu'on part jamais vraiment à zéro. Hein. On a notre background, on a vraiment ce qu'on a tout traversé, toutes les connaissances, les compréhensions, les expériences engrangées. Elles sont en nous, elles nous auréolent de présence. Et donc, c'est pour moi, cette carte vous dit en termes d'univers, c'est quitter celui qui ne vous nourrit pas et n'ayez pas crainte d'être déçu. Ça peut pas être pire, je dirais. mais c'est surtout aussi si vous êtes déjà dans l'abondance, dans la satisfaction, de ne pas craindre de vous dépouiller de certaines choses, de vous défaire ou de ne pas n'ayez pas peur de risquer de perdre. Hein. La carte vous dit ça, le message qui s'invite à vous, c'est ça. Parce que c'est ce qui est peut-être présent souvent dans l'esprit de beaucoup. Quand il s'agit de vivre l'aventure, c'est « Oh là là, je risque de tout perdre. » Là, vous avez une information qui dit « Apprenez à vous dépouiller. » C'est une épreuve constructive, apprenante, enrichissante pour vous. Apprenez à vivre sans, à fonctionner sans, car en fait, tout ce dont vous avez besoin pour vivre ce que vous désirez vivre est en vous. On va regarder la carte conseil. Les lettres. Alors ici, les lettres, c'est toutes vos intentions, toutes les informations pertinentes. Ce que je ressens ici, de manière forte,
C'est que ça fait longtemps que vous désirez faire des choses, ça fait longtemps que vous en parlez, ça fait longtemps que vous tentez des choses. Vous avez une façon de le voir, une façon de le vivre qui est déjà un peu pensée, un peu réfléchie. Il s'agirait peut-être de vous délester un petit peu de tout ça, d'oser l'aventure vraiment from scratch. C'est je ne sais pas, j'accepte de ne pas savoir. Je suis face à l'inconnu, j'accepte ça, je ne sais pas ce qui va se passer demain, j'accepte ça, je me dépouille. J'accepte, voilà, je prends les choses comme elles vont. C'est ça, vivre l'aventure de la vie, hein. C'est de ne pas savoir ce dont demain sera fait. C'est peut-être aussi quand même écouter des conseils, écouter ce qu'ont vécu les autres, simplement s'informer. S'informer, mais ne pas prendre, vous voyez, il y a plein plein d'informations, ne pas en prendre une plus valorisante ou plus importante qu'une autre. Tout est juste, tout a son utilité, tout est intéressant à savoir. Mais en même temps, vous savez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'acquis, vous avez beaucoup d'apprentissage. Donc, c'est une carte conseil qui vous dit, beaucoup de choses sont là, tout est là, l'information est là, les liens sont là, tout est là, vous ne manquez de rien en réalité. Donc, ce passage, s'invite pour vous, les cancers, sur... regardez autrement ce que vous possédez. Regardez autrement ce que vous avez déjà en vous qui va vous aider à vivre cette aventure dans cette nouvelle année. J'espère que ça vous aide. Moi, je trouve ça super beau comme message. Franchement, je l'aime beaucoup, moi, ce message. Il nous apprend à passer l'épreuve, à vivre en nous délestant et en laissant faire un petit peu la vie. La vie qui comprend plein plein de choses. On part pas de zéro complètement en réalité, hein. On a plein plein de connaissances, on a plein de savoirs, on a plein d'expériences. On connaît des gens, hein, des choses vont nous venir. Vivons l'aventure, osons l'aventure. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aide. En tout cas, mettez-moi un petit like, abonnez-vous si c'est pas fait. On continuera de dialoguer autour de tout ça et de plonger un peu plus dans le sens, les symboles, les messages qui vous viennent comme ça de manière impromptue. Faites confiance à ce qui arrive à vous. C'est toujours, toujours, toujours pour une raison précise. Je vous dis à très bientôt.